Mais franchement, j'avais des envies de meurtre. Hein. Je me suis dit, mais pourquoi je l'ai adopté? Alors ça, la friandise, il est ultra gourmand, donc ça marche. Mais quand il n'y a pas de friandise, ça marche beaucoup moins. Et ben Rêveur, c'est un petit bichon maltais qui va avoir 3 ans. On l'a adopté, il avait 1 an et demi. Il ne peut pas rester tout seul, il aboie beaucoup. Il a beaucoup d'agressivité avec les autres chiens. Quand on croise d'autres chiens, ils sont passés, mais lui, il est encore après à aboyer et à vouloir les pourchasser. Ah ben quand il les voit, il se met à aboyer, aboyer, aboyer. Il voulait les manger gros, petits. Il est agressif avec tous, sans aucune peur. Vraiment aucune peur. Il les aurait bouffés. Quand les gens viennent à la maison ou quand on part de la maison, c'est l'enfer. Il saute sur tout le monde, il aboie, il grogne. C'est compliqué. Donc Tacos, on l'a eu, il avait à peine 2 mois. C'est un petit chihuahua, il est hyper joueur, il est espiègle. Par contre, il est très désobéissant. Le tacos au pied, il s'en fout. Alors ça, la friandise, il est ultra gourmand. Donc ça marche. Mais quand il n'y a pas de friandise, ça marche beaucoup moins. Franchement, j'adore Rêveur. Mais franchement, j'ai des envies de meurtre. Hein. Je me suis dit, mais pourquoi je l'ai adopté? Il est formidable, mais pourquoi je l'ai adopté? Mais quand je me suis engagée à prendre ce petit chien, qui était malheureux aussi... Selon vous, comment Rêveur va accueillir Eden? Il va se mettre à aboyer, tirer sur la laisse. Je pense qu'il va être comme un fou, quoi. Annonce importante concernant les publications de certaines de nos vidéos sur la chaîne. Nous allons désormais proposer des vidéos exclusives, spécialement pour nos abonnés sur YouTube. Pour ne rien rater de ce contenu unique, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, c'est entièrement gratuit, et profitez d'un accès sans limite à nos vidéos. De plus, à la fin de cette vidéo, vous trouverez un extrait de la promotion du Malinois Yeda, un chien qui se trouvait dans un refuge partenaire et qui a été pris en charge par nos élèves instructeurs canins. Il s'agit bien sûr d'un extrait, pensez à activer la cloche pour être informé de la sortie de cette vidéo. Place à la vidéo maintenant, bon visionnage, et surtout n'oubliez pas, on se retrouve tout à l'heure en commentaire. Déjà, t'es sûr? T'as vu comment il est? On l'enlève quand même. D'accord, mon bébé. Ok. Ha!
est content, Pixie. Elle est contente pour dire qu'on peut détacher. D'accord. Incroyable. C'est ça, la chienne spécialisée. Il y a plein d'idées à découvrir sur cette chienne. Elle fait un travail vraiment remarquable avec tous ses semblables. Et on en voit des semblables qui n'ont pas tous le bon comportement. Elle est là pour enseigner les bons codes canins, la bonne manière de faire. C'est une chienne vraiment qui n'intervient jamais de la même manière parce qu'elle s'adapte à la personnalité du chien, par rapport aussi à ses intentions. Non, non, il y a plein de choses à découvrir. Hein ? Ben oui. Tu es sûr qu'on enlève la laisse ? D'accord. Toujours, toujours, d'accord. Lexie a vite cerné Tacos, hein, pareil. Elle a su aussi lui dire non avec le lama, par exemple. Est efficace parce que quand il voit des moutons, un cheval, la crainte le fait aboyer et moi je n'arrive pas à le calmer quoi. J'ai beau lui dire donc Dexie, bah, elle sait faire. Ouais, mais c'est franchement magique quoi. Eden comme Dexie ont su très bien analyser les problèmes de Rêveur et Tacos. Ça, c'est indéniable. Ils se sont pas rencontrés avant, c'est vraiment une première rencontre. Tout de suite, elles ont cerné le problème de chacun. Voilà. Et ça, c'est miraculeux, quoi. Enfin, c'est vachement chien. Merci, hein. Merci, Eden. Dexie, pardon. Oh, je mélange, pourtant, vous ressemblez pas. Ouais. Mais vous travaillez très bien. Voilà. Oui, mais on l'a lâché dans la cour où on était hier. Il est bien allé se promener. Il est allé découvrir tout ce qu'il avait autour de lui. Et il n'est pas allé aboyer après les chiens. Non, non, les propriétaires étaient très étonnés du comportement de Rêveur et Tacos. De comportement, ouais, entre hier et ils ont dit, mais vraiment, il y a du changement. Ils étaient plus détendus déjà, les chiens. Oui, et puis quand on y allait, ils attaquaient les autres chiens. Ils ont deux chiens aussi. De gros chiens de chasse, là, enfin, ouais, ils sont ouais, des belles bêtes. Je sais pas ce que c'est. Border Collie. Ouais, un Border Collie, ouais, et puis deux peut-être. Oui, l'autre c'était une femelle, mais elle était marrante. Et du coup, le comportement a été vraiment différent.
si c'était à refaire, je reviendrai. Et puis surtout, j'attendrai pas. L'aventure continue sur nos réseaux sociaux parce qu'on est aussi visible sur Instagram. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la vidéo d'instructeur canin. Vous avez été d'ailleurs nombreux à m'avoir fait un retour sur la promotion Sun. Comme vous le savez, j'ai lié un partenariat avec un refuge. Et aujourd'hui, on remet ça avec trois anciennes stagiaires qui avaient adopté la méthode Gun en tant que particulier, Cindy, Françoise et Chris. Et ces trois stagiaires qui ont décidé de franchir le pas pour pouvoir justement suivre cette formation. On va remettre ça avec le refuge des oubliés du 45. Je vais devoir vous solliciter également pour partager le plus largement cette vidéo pour permettre de faire connaître l'histoire du chien que nous allons faire sortir du refuge. Donc je compte sur vous pour partager le plus largement possible cette vidéo. Nous, on se retrouve tout de suite en refuge. C'est parti. Alors, une ancienne stagiaire qui est venue adopter la méthode Gun, je te laisse te présenter. Voilà, donc je m'appelle Marie-Christine Bourdieul, mais plutôt Chris, hein. Je suis médecin hospitalier. Ayant un épagneul breton handicapé des pattes avant, qui avait été attaqué par un canet corso par l'arrière, je voulais être sûre que mon chien n'avait pas de problème avec les chiens. Deux chiens de refuge, de SPA, donc dont on ne connaissait pas trop le passé, pour évaluer nos chiens et savoir s'ils étaient bien dans leur basket. Et en fait, effectivement, Joseph et Dexy et Eden nous ont confirmé que les chiens étaient plutôt bien dans leur basket et que c'était plutôt un peu les maîtres qui avaient des choses à apprendre. Ce dont on se doutait, hein, mais tu nous l'as confirmé. Ouais. Voilà. Je voyais en baladant mes chiens des réactions de peur de certains, nos propres angoisses vis-à-vis de certains délits de faciès, de certains chiens adorables au demeurant, mais qui pouvaient avoir des mâchoires un peu puissantes. Et à quel point, quand on est parti de chez toi et où tu nous as redonné confiance en nos chiens, et en nous. J'ai vu notamment ma sœur qui était une grande anxieuse et donc qui souvent baladait mon chien, parce que moi je travaillais 12 heures par jour, hein. Bah tu l'as rassurée sur le fait que son chien n'avait pas de problème, mon chien n'avait pas de problème avec les chiens. Résultat des courses, elle était beaucoup plus détendue. On savait pas si nos chiens avaient vraiment les codes, tu nous as montré, tes chiennes nous ont montré qu'ils avaient les codes, ils comprenaient ce que leur disaient les autres chiens et qu'ils étaient plutôt bienveillants eux-mêmes, donc voilà. Je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre. Je suis devenue bénévole dans le refuge local où ils sont bien dans la galère parce qu'ils ont très peu de moyens, très peu de soignants, très peu de bénévoles et beaucoup de chiens, et des gros chiens. Mais je me suis rendu compte que voilà, j'avais envie de mieux les comprendre, j'avais envie de, à mon petit niveau, de les aider en tant que bénévole. On n'a pas le temps parce qu'il y a 40 chiens à sortir en 4 heures. Puis je me suis dit, bon, je suis altruiste, je suis empathique. Je me suis dit, faire la formation avec Joseph, c'est continuer à apprendre des choses, mais c'est aussi avoir ton regard. Et peut-être me dire, c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi, parce que je suis pas assez patient. Alors je sais qu'on peut pas toujours être très patient avec son chien, être beaucoup plus patient avec les chiens des autres. Je me suis dit, il faut que je fasse cette formation, parce que ça peut être pour moi une voie de reconversion. Mais de toute façon, je sais que ça me sera utile. Parce que quel que soit le métier que je ferai après, pendant 20 ans, je me suis dit, il faut que je sois bénévole à SPA, mais je me suis dit, je vais les adopter les 40. Je peux pas, hein, je vais pas avoir le syndrome de Noé. Mais je me rends compte que quand il y a 40 chiens, on va pas les adopter les 40, mais que je peux peut-être quand même leur rendre service, quoi. Voilà. Donc, ravie d'être là. Je m'appelle Cindy, je suis venue à la méthode Gun avec mon petit chien. Moi, mon but, c'est donc de devenir, de rentrer dans le métier, d'acquérir déjà de l'expérience, et plus tard, ouvrir un refuge, où justement je pourrais décharger un petit peu les SPA avoisinants et offrir aux chiens qui ont le plus de problèmes un petit peu de liberté, un petit peu de confort et de confiance. Du coup ça reste un petit peu dans le même style quoi. Les gens au lieu de venir payer les chiens, comme à la SPA par exemple, paieront une mini formation d'un ou deux jours basée sur le chien qu'ils auront choisi pour justement ne pas le re-ramener par la suite. Voilà, ça c'est mon but, mon projet. Puis il y en a beaucoup hein, qui veulent adopter des chiens et leur offrir une meilleure vie, mais ne sachant pas comment faire, on en est tous là. Hein. Donc, et c'est vrai que la méthode Gun, ça paraît clair en fait, ça paraît presque normal quoi, que ce soit aussi des chiens qui communiquent parce que
Parce que nous, on croit savoir, mais au final, chaque éducateur, ils ont tous des méthodes complètement différentes, voire à l'opposé. Et c'est des choses qu'on impose toujours aux chiens, même si on parle d'éducation positive. Oui. Et bien, finalement, c'est, parfois, on dit du positif, mais c'est pas positif, quoi. Et on n'écoute pas du tout l'animal. En fait, on lui impose, on lui impose, on lui impose. Et ça, c'est pas... La méthode imposée. Voilà. Oui. C'est vrai qu'il ne vit que pour son maître. Mm-hmm. Il ne demande qu'à faire plaisir. Et il subit, en fait, nos actions, nos choix, notre manière de penser. Ah, il devrait être comme ça, donc il n'est pas comme ça, donc il doit être puni. Il doit rentrer dans la bonne case. En fait, il n'a juste pas compris, ou il a un peu comme un enfant qui s'égare parfois aussi, quoi. Mm-hmm. Ou comme nous. Quand tu as vu que j'avais publié, que j'allais proposer cette formation d'instructeur canin, tu as sauté sur l'occasion. Je voulais déjà la première, mais en fait, je travaillais, j'étais en saison en Suisse, donc ma dernière saison, puisque maintenant j'ai mon chien. Et du coup, comme là, il y en a eu une au mois de juin, c'est vrai que donc j'étais en Suisse, je regardais les vidéos, tout ça, et là, je me suis dit, ah bah c'est super en fait. Là, en juin, c'est parfait, quoi. Je vais avoir mon chien, je change de vie, quoi. C'est un autre tournant, c'est parfait. C'est super. Donc, ouais, sauter sur l'occasion. Bon. Ah bah on se connaît, nous aussi. Oui, on se connaît. T'étais venue adopter la méthode Gun il y a plus de... Au mois d'août dernier. Ça va faire presque un an. Ouais, c'est ça. Alors d'abord, je m'appelle Françoise, j'ai 67 ans, je ne suis pas à la retraite, je suis médecin hospitalier, psychiatre. Donc j'étais venue à la méthode Gun avec mon petit lévrier afghan de 4 mois. Il avait quelques troubles anxieux de mon point de vue. Surtout, j'étais très impatiente de venir ici parce que ça faisait déjà... peut-être bien 2 ans que je connaissais via les vidéos sur YouTube Joseph, Dexy, Gun, Eden aussi, la toute petite Eden à ce moment-là. Vraiment, moi, ça me passionnait. Avec cette frustration des vidéos de dire « Ah, s'il a coupé, c'était pas le moment, on s'en fout de voir les gens, je veux voir les chiens. » Comme mon chien, je le trouvais anxieux, ça m'a fait un prétexte pour le faire venir. Et ce qui a été très bénéfique, bien sûr, pour moi et pour lui aussi, peut-être surtout pour moi. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui? Le hasard a bien fait les choses. J'ai eu vraiment rapidement, pour une fois, les vidéos d'Instagram. Sur Instagram, j'ai vu la formation, la première formation. J'ai dit, waouh, Joseph fait une formation, génial. Je vais sur le site et je vois qu'il y avait cette formation au mois de juin qui était proposée. Regarde bien mon planning, je me dis... J'ai déjà un prévisionnel de congé sur cette semaine-là. Et ben donc, c'est pour ça que je me suis inscrite, mais alors rapidement, de peur que quelqu'un d'autre s'inscrive et qu'il n'y ait plus de place. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai cette soif d'en savoir plus, d'apprendre. Et il se trouve qu'en plus, dans le pôle dans lequel je suis, il y a une petite chienne cocker qui est venue. Voilà. Faire de la thérapie. Alors, avec les personnes âgées et les autistes. Les autistes, c'est pas à mon pôle, mais de ce fait, je la rencontre dans le cadre à l'hôpital. Et donc, je me suis dit, et je sais qu'il y a d'autres infirmiers, en CMEP en particulier, qui travaillent avec moi et à l'hôpital de jour, qui auraient envie de pouvoir faire quelque chose avec leurs chiens et les patients. Alors, je me suis dit, ça me fait un prétexte de plus pour aller voir Joseph, parce que comme ça, après, j'aurai un autre regard et je pourrai mieux aider ces infirmiers à porter leur projet.